Les autorités tunisiennes envisagent le déploiement rapide de la technologie mobile de 5e génération 5G, soulignant son potentiel à transformer l'économie du pays. Suite à l'appel d'offres lancé le 28 juin 2024 par l'Autorité nationale des télécommunications, plusieurs opérateurs de télécommunications ont déjà déposé leur dossier de candidature. Les autorités affirment que le déploiement de la 5G ouvrira la voie à une transformation numérique dans le pays nord-africain, d'autant plus que son implantation pourrait avoir des effets positifs sur divers secteurs économiques. Le service 5G n'est pas une amélioration de la 4G, c'est une révolution technologique. Il n'offrira pas seulement une meilleure vitesse, mais aussi de nouveaux services. La 5G permettra aux services numériques d'être disponibles dans tous les secteurs. La Tunisie cherche à alimenter son économie en puisant sur la technologie 5G. Alors que son lancement officiel est prévu pour janvier 2025, le gouvernement a décidé de réduire les coûts de la nouvelle licence 5G pour moins de 100 millions de dinars, environ 32 millions de dollars, contre 155 millions de dinars pour la licence 4G en 2016. L'impact économique de la 5G sera considérable. Outre la technologie d'accès sans fil fixe et les services 5G pour les mobiles, l'industrie progressera grâce à la 5G. Elle améliorera la rentabilité et la connectivité des entreprises. Le taux de pénétration des services de téléphonie mobile en Tunisie a atteint des niveaux records ces dernières années. Selon les dernières statistiques de mai 2024, le nombre d'abonnés aux services de téléphonie mobile s'élève à environ 16 millions, tandis que l'utilisation de l'Internet mobile a connu une croissance remarquable avec plus de 10 millions d'utilisateurs, soit un taux de 91,1%.